Alors, est-ce que là on est pas mal? Non, ouais, c'est angoissant comme jeu. Et par contre, il est lourd de vue. Mais j'arrive pas à le faire tourner. Non! Ohio, Mina! Ohio! Tu veux dire Ohio? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, encore une fois, mesdames et messieurs. Et pourquoi Thibaut? Parce qu'on a des automatones! Non, aujourd'hui cette vidéo ne sera pas portée sur les automatones car elle sera portée sur... ceci. Sur ça. Jumbo. Fusionné. Slime Bath ainsi que Jelly Bath. Cette vidéo va consister à essayer le produit. Donc je me suis procuré un ami ici. Donc du coup bon, on va tout de suite passer au test. C'est parti mon kiki. Premièrement, versez. Mets la poudre du Slime Bath dans l'eau pour la changer en matière visqueuse. Secondement, amuse-toi, c'est le principal. Troisièmement, tu pourras noter que cela s'évacue facilement. Le slime bath est 100% biodégradable. Waouh! C'était Stéphane Merde. YouTube. On a la bassine remplie d'eau. Je vais essayer de vous la montrer. On a à peu près mis 25 litres. Et donc là, le délire c'est de mettre. Normalement, faut mettre un sachet pour une baignoire. Non, 40 litres max. Ah les salauds. C'est à dire qu'en vrai, pour un bain, il faut. Ouais. Un sachet pour 40 litres. Donc nous, on a 25 litres et on va mettre deux sachets. Faisais le calcul, comme on dit par chez nous. On s'en garde non. Un tout petit peu pour se faire des. Des shoots. Des jus de pruneaux à la menthe. Seulement l'hiver quand il fait froid. Hein. Donc là on verse les sachets. J'adore la couleur. C'est dingue hein. Ça sent bon en vrai, tout ça quoi. Sent les bonbons. Alors là tout simplement on va y aller par la main du Saint-Esprit. Moi je vais pas de la main molle. Je pense que ça va être bon à la dégustation. Impeccable. Donc là le truc ça va être de remuer avec une cuillère ou ce que vous avez dans les parages. 5 à 10 minutes pour que ça agisse. Je vous donne le fouet. Le fouet c'est pas un saucisson. Si. Recommande le fouet. Pour fouetter. Fouetter. Ah. Ce qu'il faut savoir c'est que nous on l'a déjà fait une fois. Et c'était de l'eau froide. À partir du moment que vous touchez la matière, faut à peu près 4 à 5 jours pour que votre main ou votre n'importe quel instrument de votre partie du corps retrouve sa partie initiale, si je puis dire. Rouge banane. Je peux même pas rester dans la cuve. Qu'est-ce que c'est cette couleur là? Oh putain. On est à peu près à 7 minutes là, donc ça commence déjà à prendre bien forme. C'est très drôle, on va pouvoir s'amuser avec. Ah oui, allez. Les 10 minutes sont écoulées, nous allons procéder au tatage si je peux me permettre. N'hésitez surtout pas si vous reproduisez cette expérience à absolument prendre 8000 papiers de PQ, 8000 papiers de sopalin, de tout ce que vous voulez qui puisse essuyer vos parties intimes. Si vous osez tremper vos parties intimes, vous pouvez, hein, ça peut vous relaxer, vous donner du plaisir. Voilà, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Nous allons maintenant désormais s'amuser. C'est mon genou. Alors, bon Thib, est-ce que t'es prêt à plonger un de tes... les organes. Plonge le doigt. Et après... Donc à l'intérieur, quand vous faites ça, vous avez l'impression de choper quelque chose, véridique. Sans que de la matière, et franchement... C'est sympa. Je sais pas... Entre le dégueulasse... Qui, comme mauvais parent, pourrait faire prendre un bain à ses gamins avec ça dedans? Exact, je suis totalement... T'as l'impression de choper et de mettre une main dans un fesse de quelqu'un, et de choper son intérieur. Ah. Ça te plaît de jouer avec, mais au final t'as pas envie de l'avoir sur toi. Oh, ah si, si je pourrais un petit peu expliquer la substance, à quoi ça peut ressembler. Vous prenez que des blancs d'œufs et vous vous rapprochez un petit peu de ce que ça peut donner. Ouais. En vrai, ouais, tu vois, ouais, ça fait un peu ça quand vous prenez. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Hein. Un pouce vert. Oh. On a fini de s'amuser avec le slime. On s'est lavé les mains très bien. Je vous conseille de très bien vous laver les mains. Maintenant, on va s'attaquer au jelly bath. Donc, normalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renverser le jelly bath dans de l'eau. Un petit peu la même méthode. Bon, c'est exactement la même. Sauf que là, ce qu'on va faire, au lieu de le mettre dans de l'eau, on va le mettre dans le reste. Parce qu'on va pas revider, tout ça. C'est de la merde. On n'a pas le temps. Et nous, on est là pour expérimenter les choses. Jingle. Attends.
Ouais, ça reste. Ah oui, ça reste la surprise. Non, mais ça fait des frites. Celles-là, elles sont encore meilleures. Oh. Regardez cette gelée en poudre, qui n'est plus en poudre. Et regardez cette expansion de matière. Ah. C'est horrible. Même pas vrai. T'as pas un batteur? Je vais trouver un qui veut pas qu'il s'en. Tu veux un batteur? Bah, c'est ce qu'il faudrait. Un batteur électrique, là. On a la mitraille. Oh merde. Ça a été une réussite totale, hein? Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, mettez un pouce bleu. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi dans les commentaires. Non, si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, une nouvelle vidéo. Salut! Here we go.